Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de multiplier des fractions. Alors par exemple, je vais essayer de faire cette multiplication-là, 1 demi multiplié par 1 quart. 1 demi multiplié par 1 quart. Alors en fait, en général, quand on dit 1 demi de quelque chose, c'est qu'on prend la moitié de ce quelque chose. Donc ici, en fait, on peut très bien voir cette multiplication-là comme si on prenait la moitié d'un quart. Alors on va essayer de visualiser ça. Alors j'ai pris un rectangle. Ici, que je vais considérer comme une unité, et je l'ai découpé en quatre parties égales. Donc chaque partie représente en fait un quart. Ce qui veut dire que si je prends cette partie-là, voilà, ça, c'est un quart de mon rectangle. Et donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que faire cette multiplication-là, ça correspond en fait à prendre la moitié de un quart. Et pour avoir la, la moitié de un quart, en fait, je vais tout simplement couper ce quart en deux, comme ça. Et donc maintenant je vais prendre la moitié de, ces, de ce quart, donc je vais prendre une seule de ces deux parties, par exemple celle-ci, voilà. Là, ici j'ai pris la moitié d'un quart, donc effectivement cette partie-là représente notre multiplication 1 demi fois un quart. Alors maintenant il faut qu'on arrive à comprendre quelle proportion de notre rectangle représente cette partie-là. Alors pour ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement au lieu d'avoir découpé uniquement ce quart ici en deux parties, en fait, je vais découper tous les quarts en deux parties. Donc je vais faire comme ça, hein, voilà. Je découpe chaque quart en deux parties. Et du coup, maintenant, je peux facilement voir quelle fraction j'ai colorié en jaune ici. Puisque j'ai en fait divisé mon rectangle en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties égales et la partie jaune, c'est une seule de ces huit parties. donc, ça, c'est un huitième. donc, cette partie là, elle représente un huitième. voilà. et du coup, ça, c'est une manière de voir que finalement, un demi-fois un quart, eh bien, ça fait un huitième. donc, en fait, là, ça permet de comprendre pourquoi on a ce huit ici, 8, c'est 4 fois 2, et ça correspond en fait qu'on avait ici quatre parties, qu'on a divisées chacune en deux. donc, finalement, on se retrouve avec quatre fois deux parties. Et on retrouve bien notre 1 huitième. Alors maintenant je voudrais faire quelque chose d'un petit peu plus difficile, euh, c'est-à-dire multiplier des fractions dont le numérateur n'est pas égal à 1. Alors par exemple, on peut essayer de multiplier ces deux fractions-là, 2 tiers multiplié par 4 2 tiers multiplié par 4 cinquièmes. Alors là, je voudrais que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de le faire de ton côté en utilisant le même raisonnement que tout à l'heure, que ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que tu vas commencer par représenter 4 cinquièmes et ensuite prendre les 2 tiers de ces 4 cinquièmes. Alors, je vais prendre un rectangle comme tout à l'heure. Je vais dire que ça, c'est une unité. Et ce rectangle est divisé en 1, 2, 3, 4, 5 parties. Alors, la fraction 4 cinquièmes, je vais la représenter ici en coloriant 4 parties sur ces 5. Donc voilà, j'en colorie une première ici. Voilà. Une deuxième ici. Une troisième. Et une quatrième. Voilà. Alors maintenant, si je prends 2 tiers de 4 cinquièmes, en fait, il faudrait que je divise mes 4 cinquièmes en trois parties et que j'en prenne deux. Donc ça je peux le faire comme ça, je peux par exemple diviser mon rectangle en trois parties. Voilà, là j'ai à peu près trois parties égales. Alors maintenant si je colorie toute cette partie-là, ça, tout ça Là, j'ai colorié en fait un tiers de mes 4 cinquièmes, puisque j'ai divisé mon, mes 4 cinquièmes en trois parties égales. Et là, j'en ai pris une sur les trois. Donc ça, c'est un tiers de 4 cinquièmes. Et là, je vais prendre un autre tiers de 4 cinquièmes. Voilà. Ça, c'est un autre tiers de 4 cinquièmes. Et du coup, finalement, toute cette partie-là que j'ai coloriée en orange, eh c'est les deux tiers de 4 cinquièmes. Alors maintenant, il s'agit de savoir quelle fraction du rectangle total j'ai colorié. Alors, le rectangle au départ, je l'avais divisé en 5 parties, que j'ai divisé chacune en 3. Donc, finalement, je l'ai maintenant divisé en 5 fois 3 parties. Effectivement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, j'ai 15 parties égales et j'en ai colorié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, finalement, cette fraction-là, 2 tiers x 4 cinquièmes, eh bien, c'est. 8 quinzièmes. 8 parties sur les 15. Et là, tu peux aussi voir ce qui se passe. En fait, on avait 5 parties qu'on a divisées en 3, donc on se retrouve avec 15 parties. 3 fois 5, ça fait 15. On a multiplié les dénominateurs. Et puis on avait 4 parties sur les 5, et chacune de ces parties a été divisée en 2, donc finalement on se retrouve avec 4 fois 2 parties, c'est-à-dire 8. Alors je pense que ça, ça te donne une manière de voir ce qui se passe quand on multiplie des fractions et de bien comprendre qu'en fait, on multiplie les numérateurs et on multiplie les dénominateurs.